Demain matin, il faudra pas que tu traînes. Ma femme arrive à 10h. J'ai très bien à quelle heure elle rentre. Ouais, tu sais quoi? J'ai failli me faire griller la semaine dernière à cause de toi. T'avais oublié ton paye. Mais je vais chercher ce peigne en plus. Eh ben fais gaffe la prochaine fois, laisse-la traîner. On y retourne. C'est qui? Je vais voir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger, je viens de tomber en panne juste devant chez vous. Je voulais savoir si vous pouviez me donner un petit coup de main. Oui, je m'y connais pas trop en mécanique, mais je vais voir ce que je peux faire. Cool, merci, franchement merci. Et je voulais savoir si je pouvais utiliser vos toilettes, j'ai vraiment trop envie de pisser là. C'est juste en haut, la première porte à droite. Je vous donne les clés, la voiture est juste là. Ok. Merci. Oh, debout! Oh! Oh, réveille-toi! Hé! Hey, hé là! Y'a quelqu'un là? Oh! Réveille-toi! Oh, t'es là? Oh! Putain! T'as vu? Le mec, il a la coupe du gars de cet LM. Ouais, mais vu qu'il est noir, je dirais plus un des Jackson 5, tu vois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi on est attaché? Et pourquoi elle est baïonnée? Elle parlait trop. Tu connais les femmes? Écoute, frère! Là, on n'a pas le temps pour tes questions. Elle est où ton oseille? De quoi? Mais quel argent? Toi, l'architecte, tu vas nous faire croire que t'as pas d'oseille? En même temps, ta maison, elle est vraiment éclatée pour un architecte. Ah mais je dois avoir une bonne maison, juste parce que je suis architecte. Bah ouais. Écoutez, je vous assure, il n'y a pas d'argent dans cette maison. Demain, si vous voulez, on va à la banque et je vous donne tout. Mais mec... Demain, on est dimanche. Tu nous prends vraiment pour des connes. Ta meuf, elle nous a briefé. On sait que l'oseille, il est ici. D'ailleurs, je crois pas qu'elle est au courant pour ta pouf, là. Quoi? Pourquoi vous parlez de ma femme? Vous la connaissez? La mêlez pas à ça, s'il vous plaît. À ta femme? Ah, mais on l'a butée. Tu l'as pas vue? Elle est dans le coffre. On est désolés, vraiment, mais... On n'avait pas le choix. Elle avait vu nos visages. Vous avez buté ma femme? Vous avez buté ma femme! Bon, en même temps, ça m'arrange. Quoi, tu t'en fous? Mais putain! T'avais apporté un petit cadeau pour te faire parler. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est dégueulasse! Et encore, on voulait prendre l'oreille, mais c'est juste qu'elle s'est pas découpée proprement. Eh, j'y peux rien, c'est hyper dur de faire ça bien. Mais mec, t'es un papy? Tu fumes la pipe? Non, ce n'est pas une pipe. Bah si, mec. Non, ceci n'est pas une pipe. Si, mon gars, non. Ça, c'est une pipe. Arrête, tu vois pas qu'il se fout de ta gueule, là? Bon, écoute, si ta femme, ça te suffit pas pour te faire parler, on va s'occuper d'elle, maintenant. Non, arrêtez. Je vais tout vous dire, je vous le jure. Mais lui faites rien, s'il vous plaît. Le tout est dans ma chambre, dans un coffre sous mon lit. Le code est 2234. Il en a mis du temps. Merci François pour le code. 1, 2, 3. Je
préviens les filles. La prochaine fois, c'est pas moi qui couche avec lui. Ouais, on verra plus tard. Pour l'instant, porte. J'ai trop donné. Mais son poids, ce coup. Je vois rien. C'est bon, je ferme.